Salut YouTube, bienvenue sur cette vidéo, sur ce nouvel épisode sur Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. On a bien avancé, on a commencé à débloquer un petit peu des choses dans la base. Je commence à être plus à l'aise avec le système d'évolution du personnage, la capture des ennemis et tout. Il y a encore des petits points que j'ai pas, mais ça viendra avec le temps. On va du coup continuer l'émission. J'espère qu'on pourra faire avancer un peu l'intrigue principale aussi. Ça pourrait être intéressant. Peut-être rencontrer de nouveau dans cette session les fameux zombies militaires. C'est ce que j'aimerais bien. En tout cas, bah, vous le saurez si vous regardez l'épisode. Voilà. Allez, c'est parti. On continue donc l'aventure. Là, je vais directement. J'ai récupéré un petit sniper et tout, mais on verra comment on l'utilise. Ce que je veux, c'est surtout aller voir la liste des missions. Select a mission. Side ops list updated. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own aerial command center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Vous avez reçu le bonus du jour. Mais je m'en fous, moi. Récompense. C'est quoi récompense? Ah, d'accord. Recherche et développement. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Base de données, je m'en fous un peu. Du coup, c'était les missions que je voulais voir. Donc il y a une liste secondaire, les cassettes, liste mission. D'accord, donc c'est ici qu'on choisit les missions. Ok. Détruisez les équipements de communication soviétiques. Donc c'est ce que je voulais faire. C'est parti. Ok. Oui. Allez, let's go. Là, on va choisir nos armes. Sélection d'équipement. Arme principale. Ici, le sniper qu'on vient d'avoir. Et puis le reste. Le reste, on s'en fout un peu pour l'instant. On sait pas trop. Ah, j'ai rien débloqué donc. Oh, on peut sélectionner un véhicule? Ok, j'ai pas de véhicule pour l'instant. On a des coéquipiers. Diors. Ok, on peut en avoir plusieurs. Je vais lui mettre sa tenue de combat. Elle est déjà un peu plus classe. Choix du personnage. Ok. Uniforme tigré. Option de tête. Rien du tout. Ok. Non, annulé. Lancement de mission. C'est parti. Dès que possible. Déploying. Allez, let's go. Je pense qu'on aura peut-être le temps de faire les deux missions qui nous restent, avoir une petite cinématique ou un truc en plus, et puis je pense qu'on fera, on s'arrêtera là. Ça sera déjà bien, je pense. On verra en fonction si les missions je les fais en 20 minutes les deux, bon. On continuera évidemment, mais. C'est là où il y a les lumières que je dois aller. Au fond. Allez, c'est parti. Donc, j'ai compris pourquoi les missions tout à l'heure, je les avais pas. En fait, faut monter dans l'hélico tout simplement. Et là, on va aller à une mission qui est pas très très loin, donc c'est nickel. Je m'en fous, je passe en mode. Ah non, non, peut-être pas, il y a un véhicule de combat. Laisse tomber.
On va éviter de trop attirer l'attention, hein. Hop, hop, hop. Ok, on a encore les montagnes à contourner là. Par contre, qu'est-ce que c'est beau. Si je rentre dans le mur, ça va pas le faire. Allez. On y est presque. Ok. Attendez, je fais encore un peu le tour. Et... on se casse. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des ennemis ici en fait. Ok, on va juste s'éloigner un petit peu. Je vais descendre, sniper. Mon sniper. Ok. Non. Ce que je veux, c'est ça. RB. Ok. Terminé. Y en a un autre ou pas? Le son me dit que non. Par contre, il y en avait un deuxième normalement et je sais pas où il est. Hein. Ok. Bon, ça a l'air d'être bon. Arrivé à destination. Ok. Mince loup. Ah non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce que je peux le... Là. Ils sont beaucoup quand même, mine de rien. Hein. Mais le sniper, c'est une dinguerie. Hein. Attendez, je veux tenter le tout pour le tout. On va viser la tête. Bouge pas, bouge pas. Ok, ça les a mis en alerte. Bon, c'était un peu le but aussi, hein. Voir si je pouvais. Il y en avait un par là, non? Ah, il est là, lui. Je savais bien qu'il y en avait un. Le sniper, c'est. Abusé les gars. Oula. Ok. Ok. Je peux pas grimper là. Je suis nulle part. Une tempête de sable.
Si ça c'était pas beau, les gars. Mais non! Attendez. J'essaie de les brain. J'ai envie de le capturer, lui, hein. Allez, vas-y. Vite avant qu'il se réveille. Ah oui, d'accord, il est là, lui. Attends, il y en a derrière moi aussi. Je trace. Allez, c'est un massacre. Nickel, truc de... Il est où? Mais frappe! 30%, ouais. Bon. Donc vraiment tirer dessus, c'est vraiment pas une bonne idée. Non, mais c'est pas possible. Stop, arrête de courir. Là, il y a un truc. Hop. Je sais pas où ils sont. Ah, si. On va recharger. Allez. Y a quelqu'un ou pas? Ouais. Ok, on va essayer de s'en sortir. Désolé, mais je peux pas te prendre. Faut faire quoi là? Faut que je tire dessus, non? Pas. Attends, c'est quoi là? Détruisez le matériel de communication. Bah oui, mais c'est ça. Mais comment je fais?
Récupère ça. Ok. Comment je fais pour le péter? Ah, peut-être une grenade? Oh, par contre. Ouais, ok. Hop. Faut que je quitte la zone. C'est parti. Ah ouais, d'accord, il y a un camion qui est arrivé. Alors attendez. Attendez, on va regarder la map. Faut que j'aille où? Ah, si je vais jusqu'à Horse, c'est bon. Donc on va appeler Horse, hein, tout simplement. Et puis on va tracer. Avance pas comme ça. C'est parti. Alors désolé, mais la caméra, je peux pas la gérer, c'est un peu mal fait sur la manette. C'est-à-dire que tu es obligé de rester appuyé sur X pour qu'il galope, mais du coup, faut utiliser le joystick droit pour la caméra. Donc c'est pour ça que des fois, je laisse la caméra faire un peu sa vie. C'est bon, non? Quel. Tâche de défi achevé. Super. Blessure reçue 38. Ah ouais, quand même. Alerte ennemie déclenchée 2. Ah ouais, ça fait mal. Waouh, au niveau des points, ça fait mal. Bon, j'ai quand même 653 000 ripim, donc je suis large. Large, les gars. 4-7 obtenu, ouais. Nouvelle musique. Unité de développement de la base établie. Unité de développement. Vous pouvez maintenant construire des plateformes supplémentaires. Oh! Ah, d'accord. Bah voilà, on va commencer à utiliser les matériaux du coup. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't Ok. need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Ok. On va voir ça tout de suite. Donc un rang D, c'est tout. Un rang B quand même, hein. Un volontaire rang B. Eh ben, je prends, hein. Y a pas mal de monde qui me rejoint, mine de rien, là. Donc. Alors nous, on va surtout rentrer. Ah quoique, c'est quoi ça? Ah, réserve de carburant. Attendez. Si c'est ça, hein. Ah non, sécuriser le plan. PM anti-émeute. Ah ouais, ça permet de débloquer des armes. Là, je peux débloquer une arme si je veux. Oh, on va se le garder pour plus tard. Moi, ce que je veux, c'est. Ah, testez vos compétences avec toutes sortes de tâches. Réussir les tâches qui vous sont assignées dans la liste des tâches de défi vous rapportera des GMP, des ressources et des recrues volontaires. Certaines sont rapides à accomplir, d'autres prennent plus de temps. Choisissez les tâches les plus appropriées selon votre progression dans le jeu. Notez bien que cette liste n'est accessible qu'en jeu en ligne. D'accord.
Accomplissez les tâches et recevez des récompenses. Ok, donc c'est une liste de quêtes, quoi. Ah ouais, ça donne du personnel. Ah ouais, mais c'est abusé. C'est un cheat code, les gars, ça, non? Je le prends parce que j'ai envie de le prendre, mais... Quand même, je me tape des unités de rang A, là, alors que le mieux que j'ai, c'est rang D. Ok. Hélicoptère, on va retourner à la base. Bah, il y en a un juste à côté, en plus. C'est juste là? Ok. Nickel. C'est là. Ça marche. Plus qu'à l'attendre. Ah, attends, il y a des plantes. Je prends. Il y en a plein au niveau des hélicos, des plantes. Il y en a d'autres? Ah, parce que le temps que l'hélico il arrive, on a le temps, hein. Ouais, non, il n'y en a pas plus que ça. Déjà, c'est bien, en vrai, hein. 4 plantes. Bon, j'entends arriver. On va essayer de repartir le plus vite possible sur la prochaine quête. La dernière de la liste, en tout cas. Avant, sûrement, un élément scénaristique ou une quête importante. Et on va voir ce qu'on peut faire aussi, parce que du coup, avec tout ce que j'ai eu de nouveau, ça va sûrement level up de ouf les différentes sections de la base. Donc on va pouvoir améliorer peut-être des armes, créer de nouvelles structures, parce que ça va être intéressant aussi de voir les nouvelles structures. Qu'est-ce que ça nous apporte à part avoir plus de personnel? Là actuellement j'en ai 30, enfin 60 parce que c'est 30 par catégorie. Et du coup ça augmente de quoi? De 10, de 20. D'accord. Rosinax, ça va toujours? Centre de commandement aérien. Ok. Donc là, on est retourné là. Moi, ce que je veux, c'est retourner à la Mother Base. Comment je fais? Recherche et développement. Armes. Franchement, ouais, je kiffe là. Le jeu, c'est vraiment un banger. Je peux améliorer mon arme. Oui, let's go! Ça fait quoi? Solidité combinée au faible coût de fabrication fait une arme produite dans de nombreuses versions, officielles ou non, qui est devenue incontournable dans les pays communs. Donc ça augmente la visée, ça augmente les dégâts. Par contre, on perd en cadence de tir. Mais comment ça? C'est la même arme en moins forte. Juste, tu vises mieux et tu fais plus de dégâts. Si c'est censé être mieux, on va prendre, hein. Équipé pour cette sortie, oui. Après, ça coûte trop cher et c'est beaucoup trop. Le pistolet, je peux améliorer. Non. Là, c'est les armes à débloquer, hein, évidemment. Lunettes de reconnaissance. Tu mets l'agrossissement réglable. Ah, on peut améliorer les lunettes. Bon, on va le faire, hein. Ok. Le C4, je sais pas si ça peut être utile en vrai.
Faut pas non plus que j'utilise trop de ressources. On va voir équipement coéquipier et tout, c'est quoi ça déjà? Je sais déjà même plus ce que c'est. Ah, c'est les tenues de combat. Ok, déjà fait. Hélicoptère, on s'en fout un peu. Je peux pas retourner à... Attends, gestion de base. Commandement. Ah, il me faut du métal mineur et des réserves de carburant. J'en ai 1 sur 4. Métal courant, ressources biologiques. Donc j'ai pas assez de ressources. Je sais même pas j'en ai combien en réalité. Parce que là, il ne montre pas ce que j'ai. Ouais, bah je sais pas. Récupération de matériaux auto, transformation de matériaux. Non, c'est ok. Liste des missions. Ah, mais il y en a d'autres qui sont arrivés du coup, des missions. Récupérer la nouvelle arme américaine au nom de code dissimulé. Au fort, les soviétiques sont aussi à sa recherche. Extrayer l'ingénieur qui a tenté d'échapper au camp soviétique et est maintenant retenu dans des cantonnements. Donc on va plutôt essayer ça. On va faire cette mission-là. Ok, donc en fait, quand on fait une mission, de ce que je comprends, hein, quand on fait une mission, on en débloque de nouvelles. Pas deux, mais plusieurs nouvelles. Et après, on continue à choisir des quêtes et on enchaîne comme ça en fait. Mais j'aurais bien voulu retourner quand même à la base, tout simplement. Tant mieux en vrai. Bah c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout que je suis parti pour à peu près 40 heures de jeu, donc. Oui. 40 même, peut-être même plus, hein. C'est un super bon live, Connard. Bah merci beaucoup, gamer. Merci. Là, on fait une dernière quête et puis après, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 4 heures de live. Épisode 5, l'autre côté de la barrière. On n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur n'est pas acceptable. La réussite est obligatoire. Ah, on va. Mais non. C'est du spoil. Pourquoi ils ont mis. Ils ont dit que c'était un créateur de prothèses. Évidemment que. Est-ce que je ramasse? Non, vas-y, je la ramasse pas. Allez, on accélère un peu. Ah ouais, d'accord. Ok, arrête-toi là. Alors là, déjà dans la descente, il n'y a personne. Après. Ok, désolé, j'ai le nez qui... J'ai failli éternuer. Donc faut que j'aille jusque là-bas. Il n'y a pas qu'un seul soldat quand même. Vous allez pas me faire croire ça. Ah, il y a une voiture. Okay. On va descendre. J'aurais bien utilisé le sniper, mais c'est un peu trop fumé, les gars, je pense.
Genre dans les quêtes dures, ouais, pourquoi pas, mais là. Là, le but, ça va être de choper ce mec-là. Il va pas me voir, dis-moi. Tu me vois pas, je suis invisible. Là. En priant pour que il n'y ait personne d'autre à côté. Ah ouais, il en fait du bruit, hein. Il n'y avait personne d'autre. Je les chope tous. Ça sera moins dangereux, hein. Pas que j'aille trop vite. Sinon, il va m'entendre. Hop. Allez, on chope. En fait, il nous ordonne automatiquement au bout d'un certain temps des futons. Donc en vrai, c'est pas très grave. Ah, mince. Pas grave. Je vais le contourner. S'il avance. Ouais, voilà, il avance. Il avance. Il avance assez vite d'ailleurs. Je suis une caisse. Pourquoi j'ai pas mon pistolet? Ah, mon pistolet est en bas. Hop. Allez hop, c'est parti. Franchement, j'ai l'impression qu'on est un dieu dans le jeu, hein. Entre nous. Ah, dans quoi on peut savoir des infos en plus sur eux? E-E-D-D-E-E. Ah ouais, lui il est D. Et lui? Ah ouais, d'accord, j'avais même pas cramé. On peut avoir les talents, les différents talents et tout. Ah, attends. Attends, parce que je voudrais vous fumer à... au sniper. Allez, t'es le prochain. Hop. Surtout bouge pas. Sinon, t'es fini là. Allez. Mince. J'ai tiré trop tôt. Bon, allez. Hop. Arme principale. On avance. Il y en a un autre, hein. Je l'entends courir. Ok, il n'y a personne. Une grande base pour trois personnes? C'est un peu dommage quand même, non?
J'ai pas envie de briser la vitre. Allez, viens avec moi, toi. Hop, hop. On va se cacher un petit peu. Hop. Élimination tactique. Bon, allez, on se fait plaisir. Hein. On est là pour ça. Métal mineur. Oups. Je pense que je vais les fumer, eux. S'ils viennent par là, je les fume. Ok, putain, ce jeu est incroyable. Désolé mec, mais j'ai pas le time, j'ai pas le time les gars. Par contre, je sais pas où est l'objectif. Là, il y a des trucs de communication. Je peux les éteindre ou pas? Le problème, c'est que je sais absolument pas où aller, moi. Oh, un diamant. C'est pour moi ça. Et là, il y a quoi ici? Ça sent mauvais hein, par là. Ok. Ah bah il est là le mec. Personne, il n'y a plus personne normalement. Il n'y a plus personne. Est-ce qu'on peut passer par autre part? Non, j'ai pas envie de monter. Y a quoi là-dedans? Rien de spécial. Attention. Attends. Je te pose là 2 secondes. Quoique j'ai pas besoin. Il s'est barré de l'autre côté, l'autre. Allez, viens. Si je passe la porte, normalement c'est bon. Ouais. Si je passe la porte, c'est bon. Поэтому сбежал. Меня поймали. Может, меня ждет плач.
ты меня спас. Я готов тебя служить. Могу улучшить твою бионическую руку. Je souffle, hein. Les gars, désolé, je parle pas beaucoup, mais je souffle. Hein. Parce que là... J'ai un peu peur. Si le mec il meurt, je perds la mission. Hein. J'ai pas du tout envie. Aïe. Et voilà, il a fallu que je le dise. Trace, 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 trace. Il n'arrête plus de courir, au secours. Aïe 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 aïe. Je sais même pas si je peux monter par là. Si. Allez, allez, on va y arriver. Augmenter le personnage jusqu'à plus de 50. Nickel. Et là, je vais où, là? Attends, il y a un ours. Tu te payes ma trombine, là? C'est pas possible. Attends, de l'absinthe, c'est important. Faut que j'aille où là? C'est quoi là? Localiser, sauver l'ingénieur capturé. Bah c'est bon, je l'ai là. Faut que je sorte de la zone. Non? C'est pas ça, faut que je sorte de la zone pour valider la mission. Allez, on va tenter ça, parce qu'en toute façon, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc, on va monter. Hop. Et on se casse à cheval. Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Alors là, il y a plein de soldats, c'est vraiment pas terrible. Mais si... Attends... Mais je me dis... Si je l'envoie directement... via le système, là... Le futon... Ça devrait être bon. Allez, bonne chance. Mission complete. Ok. Connard dit scotché énormément. Il est 23h09 et il est en train de torcher le tapis. Ouais. Bah ouais, je l'avais dit, je fais les deux missions et puis après, je pense qu'on va faire de la pause. Un petit rang S là, ça fait plaisir. Donc là, on va pouvoir améliorer notre bras pour avoir des nouvelles capacités et tout. Élément d'emblème obtenu.
Vous pouvez maintenant développer des prothèses de bras. Incroyable. Donc 1B. 2B. 1E. B, D, etc. Ok. Et les A que j'ai eus, ils sont directement dans la base? We've added an analyzer function to your binoculars. Now you can view soldiers or POWs and get a readout on their rank or any special skills Ah they bah ça, j'avais possess. bien remarqué. Depending on their skills, they may even be able to develop new types of weapons or items. Try it out the next time you're thinking of folding someone. Ce que je veux, c'est retourner à la Mother Base. Comment on fait? Soutien équipier, appeler l'équipe. Ok, on va rendez-vous ici. Donc j'ai bien fait de pas me barrer et de calculer au dernier moment que je pouvais totalement. On va s'arrêter. Hop. Tac. On va ramasser un petit peu les fleurs comme tout à l'heure. Hein. Ça, c'est important en fait. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est important. Je sais plus ça sert à quoi exactement, mais j'ai vu que deux fleurs, ça faisait plus 20 dans un truc pour les coéquipiers sur la base. Genre c'est de la nourriture ou je sais pas, un truc dans le genre. J'ai pas eu le temps de lire tout à l'heure. Donc là, on le voit arriver. Non, c'est l'oiseau. En tout cas, on l'entend. Ah oui, si, il est là. Ouais. Dépêche-toi un peu là. C'est quoi ce gros bâton qu'il a devant? Allez. On est parti. Trop stylé. C'est vraiment le sens du détail, quoi. Il voit l'hélico, il tire dessus. Ça sert à rien, mais visuellement. Voilà, plante médicinale x30. Grâce au truc que j'ai ramassé. J'ai ramassé 3 plantes, j'ai eu x30. Revenir à la mission. Centre de commandement aérien. Ok. Et donc, comment je fais pour retourner à la Mother Base? J'aimerais bien y retourner physiquement, en fait. Ah, voilà, retour au Mother. Ok. Nickel. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas instinctif, hein, mine de rien. Oh là 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 là, il est. Oh, il a appris pas à bouger. Ça reste un chiot, hein. Oula. Il va venir avec moi dans la prochaine mission? Ah lui, il veut vraiment qu'il vienne avec moi. Hein.